L'épisode du jour, c'est un petit sujet sur les aires de stationnement et de rechargement pour vélo. Alors pour l'instant, c'est pas trop développé, mais il y a pas mal de concepts qui arrivent, des ruches à vélo, des boxes connectées où on présente son vélo à l'entrée. Celui-ci est pris en charge à travers un crochet, stocké, et lorsqu'on vient le rechercher, soit avec un abonnement, une application, ou tout simplement avec sa carte bleue, eh bien, le vélo revient à disposition. Là, nous, à Besançon, dans le Doubs, on a une aire de recharge qui est assez intéressante. Alors, elle n'est pas du tout informatisée. Elle nécessite une intervention du propriétaire du vélo. Déjà, eh bien, pour pouvoir accrocher son vélo, tout est prévu en termes de sécurité. On a vraiment de quoi accrocher correctement et avec un maximum de sécurité sa machine. Et ensuite, pour la recharge batterie, eh bien, il y a autant de box que de rack à vélo. Et il suffit de démonter sa batterie, d'avoir bien entendu son chargeur. Et là, moyennant une petite caution d'un euro, comme à la piscine, lorsque vous laissez vos affaires au vestiaire, vous allez pouvoir laisser votre batterie et surtout la mettre en charge dans un coffre sécurisé. Et le temps d'une petite balade en ville, d'une petite coursette, eh bien, recharger votre batterie avant de reprendre la route. À l'intérieur de cette box, vous avez non seulement une prise en 220 volts pour recharger votre batterie, mais vous avez également des ports USB qui vous permettront de recharger GPS ou autre powerbank si vous êtes en itinérance. D'ailleurs, cette aire de stationnement n'est pas réservée aux VAE. Si vous êtes justement en mode itinérance à vélo, eh bien, pouvoir recharger téléphone, GPS, appareil photo et powerbank en mode bikepacking, c'est quand même intéressant à travers un casier de pouvoir bénéficier de deux ports USB et d'une prise 220 volts. Donc voilà, ce genre d'aire de rechargement et stationnement, eh bien, risque de fleurir aux abords des différentes véloroutes. Celle-ci a l'avantage en plus d'être couverte. Donc en cas d'intempérie, eh bien, votre vélo est à l'abri. Ça, c'est vraiment un plus.